Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Donnacona, cacique du Canada. Venez vite, ils sont de retour, ils sont revenus. Les Blancs étaient de retour dans notre contrée. Cela faisait longtemps que j'en avais entendu parler. Ils viennent avec des trésors, du métal, des tissus exotiques. J'annonce la nouvelle à toute la tribu. Effrayés, nous y allons tout de même pour voir et peut-être accéder au trésor. Les enfants, les femmes, les hommes, tous sont pris d'une euphorie et courent vers les rives du Saint-Laurent pour accueillir cette nouvelle venue. Les femmes se jettent à l'eau et dansent pendant que j'effectue, au plus près du bateau, dans ma barque, mon rituel d'intronisation sous nos auspices de ces nouveaux blancs qui nous rendent visite. Un homme sombre, barbu et nerveux s'approche de moi. Je me présente à lui. Je suis Donnacona, chef de ce village. Bienvenue sur les rives du Saint-Laurent. Je me présente, Jacques Cartier, explorateur français. Nous montons tous à bord et commençons à fouiller le bateau à la recherche de trésors, a priori à la grande surprise de l'équipage. Il y a forcément échange, lien et alliance avec ces Blancs qui nous permettront d'augmenter notre influence. Les Blancs restaient dans leur bateau et nous leur apportions poissons, courges et fèves pour les sustenter. Mes deux fils, Domagaya et Taïgno Agni étaient émerveillés par tant de nouveautés. Les Blancs nous offraient des tissus ornés de broderies et des bijoux magnifiques que nous n'avions encore jamais imaginés. Cette nouveauté et la visite de ce peuple apportaient beaucoup de joie aux Iroquois. Nous détenons cette capacité à nous adapter et accepter chaque événement de la vie, car nous sommes nés d'Ahataensik, la mère de l'humanité. Elle vivait dans le ciel avec les esprits. Un jour, elle est tombée sur la terre qui était alors complètement recouverte par les eaux. Une tortue aidée d'autres animaux marins à amortir sa chute. À leur contact, la terre fut créée. Dès lors, notre valeur essentielle est devenue la capacité à s'adapter en utilisant nos éléments culturels. Au quotidien, dans nos activités, nous pratiquons le rituel de la parole avant toute chose. Il s'agit d'un discours spécifique à l'activité pour que chacun prenne conscience de sa part dans le tout universel. Nous accordons une humanité à tous les éléments de l'environnement. Animaux, humains, végétaux ont des statuts équivalents. Nous ne pouvons donc nous différencier que par la corporalité, d'où l'importance des ornementations et vêtements qui permettent de nous distinguer et de communiquer. Nous ne sommes que de simples éléments de la création en relation avec l'univers. C'est pour cela qu'il nous est toujours plaisant de rencontrer d'autres éléments de notre univers, comme aujourd'hui, avec ces Blancs fraîchement débarqués. De plus, leur mode de vie est si différent et attirant. Nous pouvons sentir une certaine puissance. D'ailleurs, ils disposent de piques en métal pour se protéger. Les Blancs pourraient peut-être devenir l'outil de ma domination sur certaines tribus voisines avec qui j'entretiens des rivalités. Ce matin, alors qu'ils sont sur le point de repartir, le chef Blanc m'a demandé s'il pouvait emmener mes fils, qui ne sont pas mes fils en fait, mais mes neveux, les enfants de ma sœur, pour leur faire découvrir son peuple et son territoire. J'hésitais, car j'avoue que le monument en bois en forme de croix qu'ils ont dressé sur notre territoire m'inspirait méfiance. Je l'ai signalé à l'homme Blanc qui m'a expliqué qu'il s'agissait d'un repère de navigation. Jusqu'à présent, les Blancs n'étaient que de passage pour pêcher nos morues, baleines et autres poissons. Ils ne laissaient aucune trace. Domagaya et Taïgno Agni semblent enthousiastes. Je les laisse donc partir en France et j'effectue l'incantation qui leur permettra de voyager sans encombre jusqu'à ce qu'ils disparaissent de l'horizon. Voilà des mois qu'ils sont partis. Au village, nous ajoutons une partie supplémentaire à la maison longue. Elle fera 25 mètres de long. Il faut y ajouter une famille. Chez nous, les liens de parenté sont matrilinéaires, c'est-à-dire que c'est la famille de la femme qui s'installe avec ses frères et sœurs
voire tante et oncle. Ainsi, une maison peut contenir 80 personnes sous la surveillance d'une matrone. Dans le village, nous sommes à peu près 500 personnes. Des villages comme le nôtre, il en existe plusieurs. Pendant des décennies, nous nous sommes fait la guerre. De fortes rivalités subsistent, mais nous sommes désormais réunis autour de la Confédération des cinq nations iroquoises dans un accord de paix où régulièrement nous nous libérons l'esprit par la discussion des mots qui peuvent peser sur nous et ainsi éviter tout conflit. Les Blancs sont là! Les Blancs sont là, ils sont de retour! Donnacona, Donnacona! Les Blancs sont là! Sont-ils revenus avec Domagaya et Taïgno Agni? Je courus pour voir l'arrivée du bateau. Mais il n'y en avait pas un, mais trois. J'espérais profondément revoir mes neveux. Il s'agissait bien de lui, de Jacques Cartier et mes neveux. Je les accueillis en dansant et ondulant mon corps d'une joie frénétique. Mes neveux avaient changé. Ils portaient des vêtements comme les Blancs. Domagaya semblait en être fier. Taïgno Agni, un peu moins. Alors que les Blancs se reposaient dans leur bateau, Taïgno Agni me raconta son périple en France, les paysages, la culture, mais surtout des croyances et des certitudes bien différentes de notre cosmologie. Maintenant qu'il comprend le français, il m'avouera que cette fois-ci, les Blancs veulent aller plus loin sur le fleuve Saint-Laurent, pour y découvrir d'autres territoires. Ils parlent sans cesse d'or et de diamants. Je lui répondis que nous pouvions les y conduire et que je leur parlerai du royaume de Saguenay, plus à l'ouest d'Ochelaga. Ce mirage ne pourra que les inciter à nouer plus de liens dont nous profiterons. S'ils cherchent ces pierres, nous pouvons les guider, continuer à échanger et ainsi nouer une véritable alliance. D'abord, ils souhaitaient partir à Sainte-Croix pour y mettre en mouillage leur bateau et remonter jusqu'à Ochelaga. Aussitôt, je fonçai les avertir que c'était une folie. Leur bateau trop gros ne pourrait pas passer les méandres du fleuve. Cartier insista. J'entrepris alors la cérémonie de l'abandon. Avec trois barques, nous nous approchâmes du bateau, vêtus de peaux de chien noires et blanches, avec d'immenses cornes, nous étions les trois diables, là pour effrayer les Blancs et faire avorter leur projet. Mais rien n'y a fait. Cartier semblait déterminé et défiait nos mises en garde et incantations. Il partit vers Ochelaga, mais personne d'entre nous ne l'accompagnèrent. Le but de ma manœuvre était avant tout de conserver l'exclusivité des liens que j'avais avec les Blancs. Ochelaga, oui, mais pour plus tard. Pour nous ici, c'était le temps de la chasse, ces grands moments où les hommes partent, laissant les femmes gérer le village. Plusieurs tribus y participaient. Nous vivons exclusivement de chasse et d'agriculture. Nous sommes un peuple sédentaire, excepté lorsque les ressources se font rares. À ce moment-là, nous partons vers un autre lieu, et notre mère nature fait lentement rejaillir la vie sur notre village abandonné. Les Blancs sont de retour. Ils semblent être ravis d'avoir continué leur expédition. Ils parlent de capitale et de Mont-Royal, je n'y comprends pas grand-chose. Quelques jours plus tard, les Blancs meurent, les uns après les autres, et des membres de ma tribu sont touchés. Je comprends le mal qui les saisit et demande à Domagaya de leur apporter un remède à base de plantes tirées de l'écorce de l'épine blanche. Nous connaissons chaque plante qui nous entoure, nous connaissons les propriétés et les utilisons pour nous soigner. Il était normal que nous aidions les Blancs, même si nos relations devenaient étranges. Une lourdeur était tombée et une méfiance s'installait alors que certains Blancs traitaient mal certains membres de ma tribu. Je passais outre. Jacques Cartier décida de repartir en France. Son équipage était amoindri de 25 personnes. Il souhaitait profiter de la fonte des glaces. Avant leur départ, Taïgno Agni leur proposa de prendre un autre chef pour lui faire découvrir la France. Jacques Cartier accepta. Ainsi, le chef Agona, ennemi de ma tribu, pourrait disparaître et nous permettre de rayonner sur le territoire. Nous organisons, comme à notre habitude, une grande cérémonie de départ. Soudain, je sens comme un enivrement qui me fit prendre conscience que le bateau était parti. Que se passe-t-il? Pourquoi Jacques Cartier nous emmène-t-il, mes neveux et moi, ainsi que 10 autres membres de ma tribu en France, chez lui, et où est Agona? Le trajet fut long. Je pensais à ma tribu, de laquelle, sans mon consentement, j'avais déserté, mais je faisais confiance en notre mère. Jacques nomma son village Saint-Malo. Quelle surprise de voir des bâtisses élevées à partir de roches. Ici, les couleurs dominantes sont grises. Jacques souhaite me faire rencontrer son roi, comme il dit, François Ier.
Quelle démesure dans l'édifice humain! Tout est immense et à la démesure de l'homme blanc. C'est étonnant et enivrant. Je rencontre leur chef. Il me demande lui aussi si des richesses peuvent être trouvées dans mes contrées. Je lui parle alors du royaume de Saguenay, dont l'écho retentira jusqu'en Espagne, qui dépêchera des conquistadors dans le nord. Mon rêve de devenir la plus grande puissance canadienne parmi mes peuples voisins s'affirme. Jacques prépare un nouveau départ pour le Canada, mais je ne comprends pas. Cette fois-ci, il ne m'emmène pas. Il me laisse ici, à Saint-Malo. Alors je continue de compter les merveilles de la contrée de Saguenay, je me répète, pour survivre certainement et me rapprocher par la pensée à mon ancienne vie. Nous sommes en automne 1536. Je ne sais pas encore qu'il ne me reste que 4 ans avant de mourir, ici, en France, loin de mon peuple. Finalement, mon envie de pouvoir et de rayonner dans le Stade Aconé a conçu mon tombeau et a ouvert les portes de mon territoire par mes récits légendaires aux Européens qui coloniseront définitivement mon pays. Je terminerai par ce proverbe amérindien. Qu'est-ce que la vie? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en hiver. C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! 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 C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green! Green, aussi green que ça peut être! Green, la puissance des babotines! Green, tu vois? Mais alors, tu vois, le green absolu! Green, un green plus green!